Là, si jamais tu regardes ce genre de vidéo comme tu regardes maintenant, ok, et je sais que tu ne regardes pas que moi, si jamais tu ne passes pas l'action, tu vas tellement le regretter, ça va faire tellement mal. Oh là là, ça va faire tellement mal, mais t'es pas prêt. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais. Et voilà, clique sur la cloche, abonne-toi. T'inquiète pas, il va rien se passer, tout va, ça va bien se passer. T'inquiète pas, on est ensemble. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Ok, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de Tchétchène, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement. Ok, de pouvoir te motiver à designer ta vie, te donner aussi les ressources, le plan. Pour que tu puisses savoir exactement où aller, pour pas aller perdre de temps, être là, prendre des informations à droite à gauche. Voilà, tu as tout en description. Tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. À toi de t'en inspirer, c'est offert. À toi d'imiter. Hein. Quand l'école t'a dit de ne pas copier, moi je te dis copie. Ok? Évidemment, pas mot pour mot. Mais inspire-toi, reprends les stratégies, reprends les choses qui fonctionnent. Tu vois, c'est juste du bon sens, tu vois. Et ne commence pas à trouver des excuses, etc. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'étais dans le quartier des pyramides, ok. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne sur le saxophone, tu vois, où je vendais des formations en ligne sur le saxophone. D'ailleurs, business que j'ai complètement laissé tomber, là, je m'en occupe vraiment pas parce que je suis focus sur cette chaîne. Mais tu tapes Jonathan le saxophoniste, tu vas retrouver ma chaîne, mes formations, ce que je vends, voilà. Tu vois, je veux dire, il y a rien de truc genre comme si c'est un truc de malade, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui aiment apprendre le jeu de saxophone, ben, je leur vends des formations pour apprendre le jeu de saxophone. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial, il y a un truc. Il faut juste savoir comment le mettre. Comme si tu ne sais pas comment le mettre en place, comment tu fais. Voilà, et je t'apprends, voilà. Et c'est vrai que quand on parle de vente de formation, dès que c'est sur l'argent, les gens, ils pètent les plombs. Oh. Quand je dis saxophone, ils disent « Ah, pas de sens !» Pour l'argent, oh. Enfin, certains, pas toi, parce que tu regardes ces vidéos. Ok? Bref, je sais pas pourquoi je dis ça, mais passons directement au sujet de la vidéo. Sois focus tous les jours, sois focus tous les jours. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est déjà, il y a une personne qui m'a posé une question sur Instagram. Je lui ai demandé de quoi tu veux que je parle. Et il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux parler de la persévérance, etc. C'est difficile d'expliquer en fait comment être persévérant. Alors, il y a le classique, hein, il faut savoir pourquoi tu le fais. Hein, si jamais il faut que tu aies un objectif, il ne faut pas que tes objectifs ou tes rêves, d'accord, c'est un peu la même chose, il ne faut pas que tes rêves soient calqués sur les rêves de quelqu'un d'autre. Il y a des gens, ils ont des rêves, mais c'est les rêves des autres. Un exemple, je ne sais pas, il y a ton pote, il veut absolument vivre à Miami et avoir une Ferrari, et tu dis, ah ouais, c'est vrai que c'est lourd ça quand même, ben moi aussi, tiens, je veux ça. Et donc, du coup, c'est mon pourquoi. Mais en vérité, ce n'est pas ton pourquoi. C'est parce qu'en vérité, tu n'as jamais spécialement kiffé les voitures, toi, tu es plus dans un délire de voyage, de faire le tour du monde. Ou tu es dans un délire musique. Tu vois, je pense par exemple à un des potes à moi. Lui, il veut être successful. Enfin, il veut être à l'aise, il veut gagner bien sa vie, être riche, tu veux. Mais lui, c'est dans la musique. Lui, il aimerait avoir son propre studio, pouvoir faire sa musique. C'est plus pour ça qu'il aimerait être indépendant financièrement. C'est pas, il veut pas la Ferrari, etc. C'est pas ce qui l'intéresse, tu vois. Et donc, du coup, quand les problèmes vont arriver, parce que la persévérance, c'est quoi? C'est que comme tu vas te prendre des gifles constamment sur le chemin de la réussite, parce que tu vas t'en prendre des gifles, hein, moi j'en prends tous les jours. Donc, tout le monde prend. C'est, je veux dire, la vie, elle arrive, elle distribue pour tout le monde. Pa, pa, pa. Ok, suivant. Pa. Toi, la joue gauche. Pa. Revers. Pa. Tout le monde prend. Il n'y a pas genre, toi, tu crois que tu vas esquiver, genre. Ouais, non, non, non. Tu vas pas esquiver du tout, tu vas prendre comme tout le monde. Donc les gens qui essaient de trouver des chemins plus rapides pour pas souffrir, pour pas connaître l'échec, pour pas connaître la peur du regard des autres, que genre t'as raté et qui vont te dire ah on t'avait dit que ça allait pas marcher, on t'avait dit, hein, tu vas apprendre comme tout le monde. Il n'y a personne, donc ça sert à rien de chercher des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis. Si tu cherches des raccourcis, tu vas passer toutes tes années comme ça à chercher des raccourcis et tu vas jamais arriver au bout. Je connais des darons qui ont fait ça, véridique. Toute leur vie, depuis que je suis petit, ils sont dans le business. Et ils essaient toujours de trouver des chemins, des raccourcis nanani. Donc ils passent de MLM en MLM, de Ponzi en MLM, on ne sait jamais, ces machins. Toute leur vie, ils sont comme ça. Alors, il y a des moments où ils mettent des carottes, et puis après, ils redisparaissent. Ils ne cherchent pas la technique pour gagner, pour ne pas souffrir, nanani, nanana. Il n'y a pas d'argent facile, parce que c'est exactement ce qui arrive à la personne que je suis en train de parler. Il y a des gens, des darons qui
toujours, ils ont cherché la facilité. Ils ont cherché la facilité et ça fonctionne pas en fait. Ça n'existe pas. Il va falloir choisir un business, rester concentré, te prendre tes chiffres comme tout le monde. Tu vas rester là, reste là. Voilà, c'est comme ça. Et après, à force de prendre des gifs dans tous les sens, à droite, à gauche, en angle, en revers, en machin, à un moment donné, tu les as tellement toutes prises que tu les anticipes, tu vois. Tu vois, là, tu peux anticiper. Là, c'est... Je connais ça. Là, tu vas pouvoir esquiver normal. Mais au début, tu vas prendre comme tout le monde. Et moi, je prends. Et en plus, je te dis ça, mais même, tu vas esquiver les petites, mais tu vas toujours t'en prendre. Ok ? Et Elon Musk, à leur niveau, à un moment donné, Tesla, il était cuit. Ok ? Ah, c'était pas Tesla, c'était... peut-être même Tesla. Mais SpaceX, à un moment donné, il était cuit. C'était fini. Banqueroute. Et il a reçu un coup de fil de la NASA. Ok, vas-y, on injecte des milliards. Non, je sais plus combien ils ont injecté. Mais voilà. En tout cas, s'il avait pas reçu ce coup de fil-là... Terminé. Donc tout le monde prend des gifs dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Crois pas essayer de trouver des excuses. Crois pas essayer de trouver des chemins, des raccourcis, tout ça. Donc le problème, si jamais t'es pas focus tous les jours. Parce que quand t'es focus tous les jours, tu travailles en fait vers tes objectifs. Et quand tu travailles tous les jours sur tes objectifs pour pouvoir les atteindre, ce qui va se passer, c'est que le temps va travailler pour toi. Ok ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça, mais le temps, c'est la valeur la plus précieuse que tu as. C'est pas l'argent. Les gens, ils pensent que c'est l'argent. Non, c'est le temps. Comme il disait Booba, j'ai oublié sa punchline, mais en tout cas, il disait un truc comme si ce qu'il veut, c'est ce qu'il a besoin et c'est pas l'argent, là, c'est du temps. Parce que le temps, mec, c'est ça défile, tu t'en rends même pas compte. C'est pour ça d'ailleurs que les riches achètent le temps. Et tous les employés, tous les gens, quand t'es salarié, c'est quelqu'un qui achète ton temps. Voilà. S'il achète ton temps, c'est parce qu'il a compris que c'était important. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, non, le temps, c'est la valeur la plus précieuse. Tu vois, et il y en a, si jamais tu regardes cette vidéo-là, surtout si jamais si jamais tu regardes ce genre de vidéo comme tu regardes là, maintenant, ok, et je sais que tu ne regardes pas que moi. Si jamais tu ne passes pas à l'action, tu vas tellement le regretter, ça va faire tellement mal. Oh là là, ça va faire tellement mal, mais t'es pas prêt. Ok, les gens là qui sont là, ils regardent 2-3 vidéos, ils lancent un truc, et puis après ils arrêtent, ils reprennent leur vie normale, ils reviennent 6 mois après, ils re-essayent, et puis après ils essaient de mettre en place des trucs de conseils gratuits qu'ils entendent sur YouTube, et puis après ils sont sur le syndrome de l'objet brillant, ils essayent un premier truc, ils achètent une formation, ils l'appliquent même pas, ils passent à un autre truc, machin, ils commencent un petit peu, ils arrêtent, machin, ils changent, ils reviennent 2 ans après, nani, gars, tu vas tellement le regretter, parce que le temps il passe, et tu peux plus jamais le récupérer. Et tous les gens qui, d'ailleurs, souvent, quand je fais des interviews avec des gars qui ont vraiment qui ont du succès, à chaque fois, ils disent, et même moi aussi, je le pense d'ailleurs, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé avant. C'est toujours ça. Et même ceux qui ont du succès, super tôt, ceux qui ont du succès de ouf, à 25 ans, 24 ans, ils disent, putain, j'aurais voulu avoir commencé avant. Okay? Donc le temps, les gars, c'est le truc le plus puissant. Pour t'illustrer ça, je me rappelle une histoire, imagine, on va appeler... Gérard et Farid, ok. Gérard et Farid, ils ont grandi dans le même quartier, ils se connaissent depuis tout petit, etc., etc. Et du coup, Gérard, lui, il est resté, c'était plus un gars qui restait un petit peu dans le quartier, tout naï, nana. Il était là, il était posé, tout naï, nana. Et Farid, à un moment donné, après, je sais plus moi, on va dire à un moment donné, ils se sont séparés. Ils se sont pas vus pendant 8 ans, ok. Et pourtant, ils étaient super amis, mais ils se sont pas vus régulièrement et parce que Farid il est parti un petit peu à un endroit et tout, nah, ils avaient moins de contacts et tout, machin. Et je sais pas, 7-8 ans après, boum, Farid il revient. Enfin, ils se recroisent en tout cas, Gérard et Farid. Et Gérard lui dit, oh, alors, ça dit quoi et tout, machin, depuis qu'on s'est pas vus et tout. Et puis, ils sont super contents. Farid lui dit, ouais, écoute, on est là, ça fait plaisir et tout. Et Gérard, il dit, ouais... Et du coup, alors, tu fais quoi maintenant et tout, nani? Et Farid, il dit, bah, oui, maintenant, je suis docteur, tu vois. Je vais bientôt pour valider mon truc, mon doctorat, voilà, quoi, tu vois, je suis docteur. Et toi, alors, ça dit quoi, Gérard? Et là, Gérard, quand il lui a posé la question, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien qui avait changé. Il était au même endroit, assis au même endroit, fréquentait les mêmes personnes, avoir les mêmes délires. Rien n'avait changé depuis 8 ans, en fait. Et là, je peux te dire que ça fait mal. Parce que tu vois le contraste directement avec une personne qui était au même endroit, qui a grandi au même endroit que toi et qui va changer sa vie dans quelques mois, tu vois. Donc, et là, je te donne l'exemple avec un docteur, mais c'est pareil
par rapport au business. C'est pareil par rapport au business et ça me rappelle genre une conversation que j'ai eue avec un de mes amis, tu vois. Un de mes amis, ça fait genre, il m'a pas suivi de mon évolution depuis le début, genre depuis genre un business, un premier business vraiment, ou même quand j'ai découvert le développement personnel, c'est quoi le business, qu'il y a des amis qui ont tout suivi, hein, des amis qui m'ont suivi depuis le début, qui ont vu quand j'ai commencé à avoir mes premières vidéos de développement personnel, genre en mode, je dis, oh, c'est possible d'avoir une autre vie? C'est possible, il n'y a pas que le salariat. Et de voir des gens, tout ça, qui créent un business en ligne et qui peuvent voyager, etc., etc. Quand tu as découvert ça, et je suis sûr que ça t'a fait la même chose, quand j'ai découvert ça, j'ai parlé ça à tous mes potes. J'ai dit, putain, c'est un truc de malade, les gars, on peut changer carrément nos vies. Nani, nana, moi, je vais tester, c'est obligé, je vais essayer. Ça déchire et tout, nani, nana. Sache que sont rarement sont les gars qui suivent. Hein. Tout le monde continue sa vie comme d'habitude. Ils vont peut-être faire genre, ils sont un peu chauds, machin, mais après... tu seras tout seul. Ok? Donc, t'attends pas à être. Déjà, si t'es un leader, quand tu fais des trucs comme ça, t'es un leader. Donc, va. Après, quand tu vas réussir, s'il y a des gens qui veulent s'inspirer de ta réussite, tant mieux. S'ils suivent, tant mieux. Mais s'ils suivent pas, voilà. Ça sert à rien d'essayer de forcer tes potes. Vas-y, les gars, vas-y, on y va tous ensemble. Hein. Non, c'est pas vrai, ça. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a qu'une élite qui arrive jusqu'au bout. C'est les gars déterminés, les gars qui lâchent rien. Et donc, du coup, je parlais avec. Et là, c'était plus un autre pote qui va me dire, on va dire, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Donc 3 ans, j'ai quand même évolué. Il y a 3 ans, ma chaîne n'existait pas. Où je venais de faire ma première vidéo. Donc il a suivi toute l'évolution. Il voit comment j'évolue, comment ça se passe, etc. Et tous les conseils que moi je te donne, c'est les conseils que je lui donne aussi. Il y a pas... Là, c'est comme si tu étais mon pote. Hein. Je te dis les mêmes choses que je dis à mes potes quand ils veulent s'intéresser au business, quand ils veulent se lancer. Et qui sont là en hésitation. Bah, lui, j'ai donné tous les conseils, tous les trucs. Tout, il a tout en fait. Il a tout. Et justement, je lui disais, tu te rends compte que là, ça va faire 3 ans que j'avais lancé ma chaîne et que je t'avais dit de lancer ta chaîne aussi et que tu n'as pas fait. Et j'ai dit aujourd'hui là, si jamais tu avais lancé ta chaîne, tu vivrais largement de ton business. Ce serait juste logique en fait, j'aurais aucun problème. Et là, il s'est rendu compte, il a dit putain, ça fait 3 ans. J'ai dit ouais. Et je lui ai dit, et le jour, parce que ça va arriver, le jour où je vais atteindre les objectifs que moi je veux atteindre, ok, parce que je lui ai dit là, c'est sûr que toi, de ton point de vue, tu dis ouais, la vie que tu attends, elle déchire et tout machin. C'est vrai, tu vois. Mais je suis à une étape où moi, ça ne me suffit pas. Enfin, je veux dire, j'ai d'autres objectifs. Je vais viser plus haut. Tu vois, je vais vivre à Miami. Je vais avoir 20 000 euros de revenus passifs. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, du coup, il va falloir que je bosse et que je bosse. Donc, c'est vrai que d'une vue extérieure, ça déchire. Je peux voyager où je veux. Je vis de mon business. Hein, c'est quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, les gars. Ça, déjà, quand tu fais ça... Tu as giflé 97% de la population. Mais voilà, c'est comme si genre tu restes bloqué à « Ouais, j'ai eu mon bac, ça déchire, j'ai eu mon bac. » Ouais, c'est bien, c'est ton bac. C'est bien. Maintenant, il faut passer au level supérieur. En tout cas, moi, au niveau où j'en suis, ça ne me suffit pas. Tu vois. C'est cool, c'est bien. Tu vois. Il y a de la gratitude pour ça. Mais on part sur la lune. La lune, c'est ce qu'on vise. Tu vois. Et donc, je lui dis, il y a un jour, ça va arriver où je vais vivre à Miami. Je vais avoir le lifestyle que je veux, je vais faire la musique que je veux, faire tous mes objectifs que j'ai prévus. Gars. Et j'ai dit, ce jour-là, quand je vais t'avoir au téléphone, ça va faire mal. Ça va te faire mal. Je lui ai dit, ça va te faire mal. Parce que tu auras suivi toute l'évolution et tu auras pu commencer en même temps que moi. Déjà, le business, c'est difficile. Ça prend du temps. Alors, si en plus, tu te permets de gâcher 3 ans, de laisser 3 ans comme ça, filer comme ça, mais toute ta vie, tu vas le regretter. Toute ta vie, tu vas le regretter. Surtout quand tu vas voir que j'ai des résultats. Si j'échouais, à la limite, c'est pas trop grave. Tu te dis, ah bah ça va, j'ai pas perdu de temps. Mais quand tu connais quelqu'un qui est comme toi, on a grandi au même endroit, et que tu vois qu'il a le lifestyle, il a dit qu'il voulait être là-bas, vivre à Miami, avoir le lifestyle, avoir 20 000 euros de revenus passifs, boum, il a atteint l'objectif. Avec tout ce qui va avec tous les objectifs que j'ai derrière, bah, il va se dire, putain, mais. C'est obligé de te défoncer, gars. Surtout si tu vois que toi, en fait, j'ai la même vie que d'habitude. J'ai la même vie qu'il y a 5 ans. Le même boulot, les mêmes habitudes, les mêmes trucs, les mêmes soirées, les mêmes amis, les mêmes hobbies, les mêmes trucs. La même chose, en fait. Aucune évolution, rien. Mec, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour si toi, si jamais tu es dans ce cas-là. Gars, arrête d'hésiter. Je sais pas comment te le dire, comment faire pour te pousser, pour te faire comprendre que, gars, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, en fait. Si tu n'essayes même pas, mais à quoi ça sert, en fait? À quoi ça sert de vivre? Manger,
manger, aller au taf, machin, attendre le week-end. En fait, tu peux tout avoir, en fait. Alors, je sais que c'est bateau, tout ça, mais tu peux vraiment tout avoir, en fait. En plus, vous qui courez, vous mettez des likes sous les influenceuses, les gars. Plus vous montez en gamme, c'est simple, les gars. Vous apportez de la valeur au monde. Plus tu vas apporter de la valeur au monde, plus les femmes elles vont être attirées par toi. Ça sert à rien de courir après la femme. Ça sert à rien. Apporte de la valeur au monde et les femmes vont te courir après. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gars qui disent, mais je comprends pas, putain, le gars, il est trop chum et tout. Il a une putain de meuf et tout, machin. Bah ouais. Ben oui, mais parce que c'est un rappeur et du coup, le gars, il est connu, il apporte de la valeur au monde, il fait de la musique. Quelle que soit la personne qui apporte de la valeur au monde de ouf, eh ben, il attire les femmes parce que les femmes, elles aiment les hommes qui sont ambitieux, elles aiment les hommes qui sont confiants, les hommes. Bref, j'en ai déjà fait plein des vidéos là-dessus. Mais tout ça pour te dire que t'as qu'une vie, mec. Donc après, il y en a, c'est ok. Si jamais tu veux te contenter d'avoir une vie moyenne dans tous les plans, un salaire moyen, un travail moyen, une relation moyenne, une santé moyenne, une femme moyenne. Si tu veux tout moyen dans ta life, bon bah c'est ok. Mais si tu regardes ce genre de vidéos, je pense pas, tu vois. Donc, passe à l'action, mec. Tu vas le regretter, en fait. Arrête de chercher d'excuses. Ouais, mais comment je peux faire pour être plus persévérant? Ouais, mais comment je peux faire pour être motivé? Ouais, mais comment je peux faire si jamais ça fonctionne pas? Et si ça fonctionne pas, machin, machin. Gars, dans tous les cas, ce sera toujours pire de ne rien faire que de faire quelque chose. Je veux dire, passe à l'action. Tu vas passer à l'action, ça va te faire, ça va t'emmener sur d'autres choses qui vont te donner d'autres opportunités, etc., etc. Juste passe à l'action. Moi, je suis passé à l'action, je suis passé à l'action et je suis pas le gars qui a le chemin le plus rapide. Hein. Franchement, ça va, tu vois. Mais il y a des gens qui m'ont explosé largement en moins de temps, tu vois. Donc, je veux dire, on s'en fout de ce qui va plus vite parce que des fois, il y a des gens qui veulent essayer de faire comparer. Genre, je sais pas, j'avais vu un commentaire un jour qui a dit « Ah ouais, mais Yomi, il est plus riche que toi. » Bah ouais. Enfin, et alors, en fait, on s'en fout, en fait, tu vois. L'essentiel, c'est que toi, tu atteignes l'objectif que toi, tu veux atteindre ou que toi, tu es le lifestyle que tu veux, tu vois. Et on s'en fout aussi si jamais ça prend plus de temps que d'autres. Chacun a son histoire, en fait. Il ne faut pas que tu te prennes la tête à ça. Par exemple, si tu commences un truc, tu vois qu'un gars, il explose plus vite que toi. Il y en a, tu dis, ah ben vas-y, laisse tomber, c'est pas fait pour moi. Non, chacun a son histoire, en fait. Tu vois, chacun a son histoire. Fais ton truc. L'essentiel, c'est d'y arriver. L'essentiel, c'est que tu puisses vivre ton business, que tu puisses voyager, faire ce que tu veux, que tu puisses être libre. Tu vois, surtout dans notre temps, je veux dire, vous mettez libre, hein, les gars. Si les gouvernements vont dire, ouais, tu sors pas, toi. Tu mets ton masque, tu fais ton vaccin, machin. Quand t'es libre, ok, tu peux voyager, boum, 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 je change de pays. Hop, boum, boum. Tu vois, ça va vite, tu vois. Donc, quel que soit le temps que ça prend, l'essentiel, c'est d'y arriver. C'est tout. Pars sur 5 ans. Tu dis, j'ai 5 ans. Et même 10 ans. Les anciens, ils disent 10 ans. Après, je pense avec Internet, quand même, bon, en 5 ans, tu dois t'en sortir. Tu vois. Mais pars sur du long terme. Voilà. L'essentiel, c'est d'y arriver. On s'en fout que d'autres y arrivent avant. On s'en fout que d'autres y arrivent après. Non, ça, c'est toi que tu y arrives. Et quand tu vas y arriver, tu vas te dire, tiens, ça en valait le sacrifice. Ça en valait le sacrifice. Ok. Donc les gars, j'espère vous avoir poussé à passer à l'action. T'as l'étude de cas juste en dessous, je te montre comment faire. Arrêtez de réfléchir les gars, ça sert à rien de réfléchir. Passe à l'action. Ok, ça va te donner des opportunités. Moi, si tu veux que je raconte mon histoire un peu, si jamais t'as oublié, c'est moi, ça a été c'est d'action en action en fait. J'ai vu une vidéo, ok, comment créer son business en ligne. Je me suis dit, ça a du sens, ça peut fonctionner. J'ai essayé, j'ai fait mon premier business sur le saxophone. J'ai dit, ah ouais, tiens, ça déchire et tout, machin. Ça m'a fait connaître d'autres personnes qui m'ont donné d'autres contacts, qui m'ont créé des opportunités. Puisque du coup, quand tu as des résultats, tu attires des gens qui ont des résultats. Donc du coup, j'ai rencontré d'autres personnes, boum. Après, je me suis aperçu, ah ben tiens, je vais passer aussi au level supérieur. Parce qu'à la base, j'avais même pas fait ça pour genre être riche, tu vois. J'avais fait ça juste pour, comme un challenge, pour voir. Si je peux le faire, si je peux générer du cash, si je peux générer 2000 euros par mois. Et du coup, c'est marrant parce que l'objectif que je m'étais fixé, c'est exactement ce que j'ai réalisé. Et après, je me suis dit, ah ben vas-y, je vais aller encore plus haut. Ah vas-y, je vais passer le million. Si c'est possible, je vais faire le million. Parce que moi, à l'époque, je savais même pas que c'était possible. Ok, si c'est possible, je vais faire le million. Tu vois, j'ai dit, bah vas-y, je vais partir sur un marché plus gros parce que le marché de saxophone, il n'est pas assez gros pour faire le million. Tu vois, en tout cas, ce serait très compliqué. Et donc du coup, je suis parti sur la santé et après j'ai dû faire un travail sur moi parce qu'en vérité, c'est pas ce que je kiffais vraiment. Ce que je kiffe, c'est ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Et donc je fais un travail, j'ai dû me faire coacher, etc. Mais tout ça, c'est au fur et à mesure, tu vois. Et après, boum, je suis arrivé, j'ai commencé à faire cette chaîne-là, ça fait 3 ans. Mais tu vois, ça fait déjà 3 ans, tu vois. Tu perds, en fait, les années, elles passent trop vite, frère. Les années passent trop vite pour que tu puisses te permettre de réfléchir, de faire des allers-retours. Non. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais cette vidéo. Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.
Thank you.